Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 juillet. Je rentre maintenant de la place royale et du Bouvoir des Pyrénées et passe au moment où je vais vous montrer quelque chose. Venez, pour rentrer, je suis les Flèches. Nous arrivons. Connaissez-vous ce petit lac qui est en face de l'hôtel Beaumont? Venez, je vais vous le montrer. Oui, et il a un problème d'alimentation en eau. Regardez. Regardez le niveau de l'eau maintenant. Il est vraiment très bas. Seulement à l'intérieur, il y a des poissons. Et l'eau est très boueuse. Ici, on ne voit pas trop. Mais hier, les poissons étaient à la surface. Enfin, on ne les voyait pas, mais on voyait les cercles. Ils essayaient d'avoir de l'oxygène, ce cercle-là. Regardez. Son niveau d'eau. Il y a les poissons, regardez. On voit les cercles. L'eau est vraiment très boueuse. Regardez. Ils doivent essayer d'avoir de l'oxygène. Venez, regardez, son alimentation en eau est faite par le débordement du trop-plein de l'autre lac. Regardez, le niveau de l'eau est vraiment très bas. C'est de l'eau vraiment très trouble. Je vais vous montrer un trop-plein d'alimentation. Alors vous voyez, quand l'autre bassin est vraiment très bien, très rempli, eh bien le trop-plein arrive ici pour alimenter en eau ce petit lac. Et bien vous voyez, quand le grand lac est vraiment très rempli, le trop-plein arrive ici, là, pour alimenter le petit lac. Et actuellement, le robinet qui alimente le grand bassin n'est pas ouvert. Démonstration. Vous voyez là, là il n'y a pas suffisamment d'eau pour qu'elle s'écoule vers le petit bassin. L'eau arrive par ici et elle s'écoule là-bas. Et le niveau d'eau n'est pas suffisant pour aller jusqu'au bout et tomber dans le petit bassin. Pourtant, il y a un robinet, il n'est pas loin. On trouve au niveau de ces arbres là-bas au fond. Stèle de Simon Palaï. Et l'eau trouble du lac. Et le poisson essaye d'avoir de l'oxygène. Voilà, c'était ma vidéo de ce 25 juillet pour vous montrer le niveau très bas de ce petit lac. Et vous donne rendez-vous pour voir des futures WDD Mission News. À bientôt !